Alors c'est l'association La Cuisine, un café culturel, un lieu de fabrique à Muttersols, qui fait appel à la compagnie Bardaf, dont je suis le représentant, le compteur, pour lancer les criées volantes. C'est un crieur public qui sillonne les rues du village sur son vélo. On a eu besoin de lancer ça parce qu'on a senti qu'il fallait entretenir, renouer les liens dans le village, et ça à travers la libération de la parole. Alors on vient juste de trier les messages, on en a une trentaine aujourd'hui, c'est parti! Alors Gaïa m'écrit pour t'écrit, chance à nous pour cette année de pêche. On va essayer de battre les records, on va faire quoi? Pêcher de nouvelles espèces, oui. Et peut-être même aller aux Pays-Bas. Signé Gaïa. Arsène, Monique, merci, merci, merci de nous accueillir dans cette maison avec cet environnement si agréable, surtout en temps de confinement ou de travaux. Plein d'orties, de plantains, de gaillets, de lierres terrestres, d'égopodes, de bouleaux, de fruitiers, de rosiers, de sureaux. Et les chevaux. Le plaisir de marcher pieds nus sur la terre tous les jours, si près de l'eau. Merci pour votre gentillesse, vos attentions et votre joie. Olga, Anna, Gaïa, leurs chattes, leurs cochons d'Inde, les poules et le coq, ils peuvent être dans le jardin ou en balade. J'ai un message pour Marjo à Indire. C'est qui? Maman, j'aimerais te remercier pour ta patience, ta gentillesse pendant ce temps de confinement. Je sais que c'est pas facile pour toi d'assumer ton télétravail et nous surveiller. Je suis désolé pour nos chamailleries et nos disputes. Maman, je t'aime. À Élise. J'ai un message pour toi. Je suis crieur volant. Crieur public. Alors, il dit, voilà. Salut, Liliana. Tu me manques. Mais tu sais, c'est bientôt fini. Est-ce que tu iras à l'école? Moi, j'irai pas, voilà. Mais peut-être que l'on peut se voir pour jouer à la place des fêtes. T'en penses quoi? Bisous, Adriana. Ouais, je la vois tout à l'heure, je dirais. Ouais, trop bien.